d'expérience pour les renforcer, pour renforcer leur capacité à faire face à ces défis multiples et multifactoriels. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est d'essayer d'harmoniser entre le Tchad et le Niger, harmoniser cette transhumance pour pouvoir l'apaiser, stabiliser la zone et avoir davantage vraiment de... Parce que ça va profiter à nos deux pays. Aujourd'hui, le conflit au Nigeria a fait de telle sorte que pour aller au Nigeria, il faut nécessairement transiter par le Niger. Tout ce qui vient du Soudan aujourd'hui atterrit à Guilimi, Difa, pour transiter vers le Nigeria parce que la route de Kano, là, le Tchad ne peut pas y aller. À cause de phénomènes beaucoup importants que vous connaissez tous. Et ça a permis à l'OJA d'avoir un moyen de substitution. Donc il faut vraiment qu'on partage cette expérience-là. Au niveau du Niger, les gens sont plus outillés, c'est vrai, mais en renforçant les capacités, en partageant les expériences, sans vraiment tabou. Ça pourrait aider aussi nos parents d'ici pour parler d'une seule voix et puis trouver des solutions communes, puisque l'objectif est commun et les problèmes sont les mêmes. Donc c'est un peu sur ça que je voulais intervenir.